Bah viens, viens avec moi, viens. T'es un gros bâtard, mon gars. Viens avec moi. Ah, Baptiste, je tiens à te féliciter pour ton comportement. Traiter les gens d'enculés, c'est une preuve de RP. Pour la peine, je t'offre ça. Moi. 2$. Tu m'offres ? Tu m'as donné quoi, là ? Je t'offre 2$. Pour ton RP. Deux. Merci, c'est gentil. Non, je t'offre 3$. Il est fou, le mec. Si tu peux arrêter de m'embêter, mec, ça serait cool. 3$ plus 2, ça fait 5$, mec. Tu peux... Suis-moi. Trace-vous, parce que le mec, il est relou. Ah, les gars, dis donc, vous avez la forme ou quoi? Oh, Baptiste l'aventurier, il nous l'a fait à la Indiana Jones, le mec. Alors, vous avez quoi comme voiture? Allez, je regarde. J'ai pas 1000$. Putain, gros, t'as combien, Oni, là? Moi, j'ai 500$. Orage de mon véhicule, hein. Orage. Quel enculé. Ah, mais gros, on peut rien faire. En fait, on a pas assez. On a même pas. Si tu nettoies mon véhicule, je t'offre 100$. Et si on est deux à nettoyer ton véhicule, tu peux nous donner 500? Ah, deux, ça fait 150. C'est un prix de gros, là. Ouais. Vas-y, attends, on le nettoie. Je vais pas le payer. C'est bon. Continuez comme ça. Eh, c'est du travail bâclé, ça. Allez. Ils sont vraiment un chien pour 1000$. C'est bon, là. C'est super, bon. Super, venez. Je vous donne votre paye. Attends, on finit les roues tranquillement et c'est bon. Ok, finissez les roues. Je l'ai trollé. Je suis en train de laver les pots d'échappement là parce qu'ils sont un peu noirs. Ah, ok. Là je lèche la jante là. Je lèche. Il a plus de dignité le mec, il a pas. Bon, là on a mérité, là franchement. Ouais, vous avez mérité. Allez. Je suis bon aujourd'hui. Pas pour rien que je m'appelle Jean Bond. Je vais leur donner. Jean Bond. 3$. Moi, j'ai plus besoin de toi en fait. Vas-y, nique ta mère. 3$. 3$. Ah, mais gros, vas-y, c'est pas clair. Non, mec, tu nous fous notre jeu. Là. 3$. Vas-y, viens, on va pêcher des pommes à pied, gros. Il va pêcher des pommes. Allez, je vous emmène au champ de pêche. C'est lui là. Je vous emmène au champ de pêche ou quoi? Attends, bon, reste là, bon. Je sais pas, il y a des pièces qui se cherchent là. Les flics? C'est lui. Les flics de quoi? Vas-y, rime ta vie, toi, tu sais pas conduire! Je vais te violer. Baptiste! Ah, c'est pas grave, des SUV comme ça, j'en ai 4. J'ai 4 SUV, 3 sportives. Tu me dois mes sous là, tu dois me rembourser. Mec, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, ouais, va te faire enculer, fils de pute, j'ai pas besoin de tes sous. T'es parti, mec, rip ta vie. Le mec, il croit que ça se passe comme ça, le mec. Bah, je vais me faire enculer avec tes sous, lol. Le mec, il m'a... Il avait une pioche, le mec, j'ai ramassé. Vous aviez l'intention de... Ouais. De faire du fer ou quoi? On ne comprend rien, bro. On vient de se faire défoncer la bagnole avec Oni. On peut même pas, on a même pas de sous pour faire apparaître notre voiture, bro. Pas ta vie, arrête de pleurer, mon gars, arrête de mendier comme ça, allez, ferme ta gueule un peu, là. Mais qu'est-ce que tu fais malin, gros, t'es en caleçon, là, tu payes ta raie carrément, espèce ouais, de mon gros... Ouais, mon gars, je vais te mettre dans ta bouche, là, je vois ça, allez. Jamais t'as pas envie que je te sèche, là, tu vas voir, ouais, arrête de mettre calme, ta vie, espèce d'enculé. Ça, moi, j'ai insulté personne. Non, t'as une arme sur la gueule, la grosse papesse. Bah, vas-y, tue-moi, hein. Tue-moi! Bobby, fais pareil, voilà. Mets-toi devant là, vas-y! Tue-moi! Eh, vas-y, tue-moi! Fais le malin, vas-y, je vais te broyer les couilles, gars! Vas-y, je vais te faire en deux, je vais te sécher! Oh, Baptiste!
Oh, Baptiste, il rage un truc de ouf. Non, non, mais rip sa fille. Eh, Baptiste, moi, je te dépose au champ de pêche. Quoi? Eh, les gars. Ah, mais t'es là, toi? Tu devais me parler? Tu devais me dire quoi? Ah non, mec, me tue pas. Attends. On est dans la même site, ça, ou pas? Oui. Donne un flingue, comme ça, je pourrais aller niquer des mecs, et comme ça, je pourrais me refaire de la thune, là, que j'ai perdu. C'était une blague, mec. Je fais des vidéos sur YouTube, c'était une blague. C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est Jean-Kevin. Je suis sûr que c'est un mytho. Allez, ferme ta gueule. Tu me crois pas? N'importe quoi. Bah non. Bah mec, il me croit pas, c'est pas possible. Tu peux pas, mec, t'es un mytho, c'est tout. N'importe quoi. Mais c'est pas possible. Mais ferme ta gueule, c'est mais... pas toi. Mec. Putain, mais t'es juste un bolos en fait. T'as cru les youtubeurs genre comme ça, ils demandaient aux gens, ouais, est-ce que je peux mettre la vidéo? Si la vidéo elle était bien, tu la mettrais sur YouTube, alors ferme ta gueule, c'est pas toi, et j'ai pas le fou. Et c'est pas que je vais te laisser choisir de pas mettre la vidéo ou pas. C'est que si tu veux pas, on s'arrange, genre je peux modifier ta voix, ou sinon tu changes de pseudo, tu vois. Mais au moins on se met d'accord, ouais, je fais pas ça dans ton dos. Tu t'en fous alors si je mets la vidéo sur YouTube? Franchement, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Bon allez, tu fais quoi là? Bah en fait je veux te rendre ton argent, mais il me dit que je peux pas donner. Moi je suis en fait je suis monsieur le V12. Ah t'es monsieur le V12, eh hey. Ça te fait rire ou quoi? Bon maintenant tu vas me croire, c'est moi Jean-Kevin. Ok donc. C'est monsieur le V12. Hey, y'a un gars là ici, il s'appelle Jean-Kevin. Oh mec. Bonjour monsieur, vous pouvez peut-être nous aider? Monsieur, vous pouvez peut-être nous aider? Ouais. On est complètement perdu là. Aidez-nous, c'est un youtubeur famous. Un youtubeur famous, vous pouvez nous aider? Oh les mains, pot de lapin, les mains, t'as 3 secondes. Je compte jusqu'à 3, t'as 3 secondes. 1, 2. C'est un youtubeur famous, je vais prendre la voiture. Bute-le. Il est famous, monsieur. Chut, tu fais pas de bruit, mec. Je te rendrai ton argent. Je te rendrai ton argent, t'inquiète pas. Mec, arrête ou je te tue. Tu vas tout faire foirer, là. Arrête. Je lui dévoile ton identité secrète. Arrête. Il y avait 19 000 $ sur lui, mec. Il a que 19 000 balles sur lui. Ah, le bâtard. Putain, en plus t'es pauvre quoi. Tu pouvais pas mourir riche. Mec, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, rip. Mec. Du coup, on va au distributeur. Non, mec, attends, écoute-moi. Là, je te demande d'être sérieux là. Ouais, vas-y. Vas-y, du tout. Eh, y'a un mec dans la caisse, viens, on le braque. Vole-lui sa thune, lui. Donne ta thune, toi. Mec. T'inquiète pas, Hoffman, c'est Jean-Kevin. Mec, arrête de gueuler ça, mais c'est pas possible. Mec, je suis en train de faire un truc de ouf là. Tu vas me remercier après. Tu fais quoi? Dans sa mallette, il y a plein de lingots, mec. Je suis en train de les vendre. Et ça coûte cher? Oui, mec. Mec, faut qu'on se casse de là après. En plus, on a sa caisse. Viens, Jean-Kevin, c'est moi qui pilote. Ah merde, tu peux pas. Non, il a... Mec, je te dis la vérité. Je vais te rembourser, mais ouais. Pour que je te rembourse, il faut aller à un distributeur. C'est pour que je retire. Ok, Jean-Kevin. Arrête de m'appeler Jean-Kevin, par contre, sinon je te rends pas ta thune. Hein. Tu fais quoi là, Jean-Kevin? Tu lui voles sa thune à lui aussi? Oh, Théma, il a des GPS. Mec, ouais. Il a un GPS, le mec, vole lui son GPS. Mec, je viens de te donner 90 000. Clique sur ATM, là, sur le fourniture générale, et dépose-les, parce que si on se fait choper, tu vas tout perdre encore. C'est où ATM? Tu utilises la molette de la souris sur le monsieur, là, et tu vas dans ATM. Y'a un mec. Ouais. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Baisse ton arme. Les mains sur la tête. Ok. Ok les mecs, moi je veux pas d'ennui. Je vais coopérer les gars. On a acheté un GPS.
Riptide. Ah c'est bon, j'ai trouvé comment m'acheter. Ah mais j'ai pas compris messieurs, vous voulez du mal ou quoi? Vous voulez me tuer ou quoi? Mais non, on voulait juste que tu nous boites pas avec ton arme. Ah ok. Ah mais y'a pas de soucis les gars. Et le mec il est en train de me faire une blague, je lui donne 100 000, je lui rends son argent. Je lui donne 90 000. Les mecs là ils voulaient quoi? Mais je sais pas mec, mais dépêche-toi. Ils t'ont reconnu, c'était des abonnés. Mais... Allez c'est bon, c'est fait. C'est fait. C'était des mecs gentils, je sais pas ce qu'ils font, ils sont en opération là. Eh hey, t'es un fou toi, t'as pas compris. Quand t'as des mecs comme ça qui arrivent mec, faut se débarrasser de ta thune tout de suite. Et voilà, parce que les mecs ils te mettent mal hein. Ils peuvent te pourrir la vie hein, ces mecs là. Toi t'étais là au KLM, ouais comment je fais pour m'acheter un GPS? Mec t'as deux terroristes, ils te pointent des armes dessus, rip ta vie.